Comment fixer le bon prix pour vos produits et vos services, ceci afin d'attirer les clients dans votre activité et de réussir votre reconversion pro. Bonjour, ici Mathieu. Donc, dans cette nouvelle vidéo, en fait, je partage avec vous les retours. C'est-à-dire, j'ai eu une question de Julie il y a quelques jours qui me demandait « Mathieu, comment je fais pour fixer le prix de mon produit et mon service ? J'arrive pas à faire des marges suffisantes. Je vends mon produit et du coup, mais ça me laisse pas de trésorerie suffisante pour vivre, tout simplement. » Alors, avec Reconversion Pro, la méthode RCP, je vais partager avec vous justement comment fixer le bon prix pour attirer les clients dans votre activité. Vous n'avez plus besoin de courir après, vous n'avez plus besoin de vous transformer en marchand de tapis. Il n'y a pas besoin de s'y connaître en technique, il existe des logiciels, des outils qui simplifient tout et il n'y a pas besoin de de dépenser des fortunes, que ce soit dans le tournage de vidéos ou pour construire des flyers ou des cartes de visite. Regardez, je fais cette vidéo avec mon smartphone dehors, tranquillement ici chez moi, et le plus simplement, le plus naturel possible. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de vous aider à réussir votre conversion pro avec ces nouveaux métiers d'internet pour gagner 2000 à 5000 euros par mois et mettre votre famille définitivement à l'abri des soucis financiers, parce que après, bien évidemment, vous pouvez dépasser très facilement les 80 000 euros par an de chiffre d'affaires. Alors, le prix du produit ou de votre service, comment le fixer, surtout le bon prix? Alors, faut savoir que la plupart des... ça s'adresse surtout, cette vidéo, pour les coachs, les thérapeutes, les formateurs, les consultants et les infopreneurs. Et pour avoir aidé plus de 2300 personnes au cours des 4 dernières années, donc en coaching, en direct, donc en leur parlant directement et en répondant à leurs questions, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des gens ont tendance à dévaluer leurs compétences et à se dire: je vais vendre mon produit le moins cher possible et c'est ce qui va me ramener le plus de clients. Et c'est totalement faux. Vous avez peut-être déjà essayé, c'est pas parce que vous faites une réduction sur le prix de votre produit ou que vous le proposez en discount, ou même vous avez peut-être essayé de faire des essais gratuits, c'est-à-dire la personne vient dans votre cabinet, si vous êtes thérapeute, elle a la première séance gratuite et généralement elle garde la première séance gratuite et ne continue pas. La majorité des personnes qui viennent vous voir, eh bien, ne prennent que l'essai gratuit sans devenir client, ce qui pose un problème. Donc, vous voyez bien que le prix bas ne garantit pas la pérennité de votre activité et ne va pas permettre de mettre vos proches à l'abri des soucis financiers, surtout si vous avez des enfants et que vous voulez les envoyer dans une université qui leur permette après, plus tard, de s'en sortir dans la vie. Alors, comment faire? Eh bien, déjà, va falloir commencer à mettre un prix qui vous laisse des marges suffisantes. Et pour attirer les clients, au lieu de devoir leur vendre, de vous transformer en commercial, il n'y a pas besoin de tout ça. Il faut apporter de la valeur. Il faut généralement apporter 7 fois plus de valeur que le prix que vous demandez. C'est-à-dire, si vous avez un produit ou un service à 500 euros, au lieu de faire une seule séance de coaching, vous vendez un pack de 5 à 10 séances directement, 500 ou 1000 euros, les 10 séances. Comme ça, vous avez vendu un pack. Là, déjà, c'est la première étape. Si vous avez une formation, bien à 500 ou 1000 euros, il faut que le client il se dise « Waouh, c'est dingue le contenu de cette formation, mais ça vaut au moins 5 ou 6 000 euros, c'est fou !» Sauf que vous la vendez 1000 euros ou 500 euros et du coup, c'est une offre irrésistible, une offre que la personne, votre prospect voit ça, ne peut pas refuser, du coup, elle va se jeter dessus. Alors, comment ajouter de la valeur à votre offre? Ça peut être tout simplement du contenu supplémentaire, soit des vidéos, ça peut être des livres aussi. J'ai une maison d'édition, donc c'est très pratique. Les livres que vous pouvez auto-éditer ou acheter des droits d'auteur d'autres auteurs très connus en anglais. Vous les achetez, les droits d'auteur, vous les traduisez en français. Ça peut être des podcasts audio ou des outils qui simplifient la vie. Par exemple, vous vendez un pack de 10 séances. 1000 euros ou 500 euros, vous êtes thérapeute, coach, consultant et vous vendez un pack de 10 séances. Eh bien, tout simplement, vous rajoutez en plus des 10 séances une formation
en vidéo, c'est-à-dire quelques vidéos qui leur permettent d'aller plus loin après les séances. Et donc, ça fait justement un bonus supplémentaire qui apporte énormément de valeur parce que la personne va venir vous voir pendant les 10 séances et avec la fin des 10 séances, vous dites, bah voilà, c'est un bonus supplémentaire. Tout ce que nous avons vu pendant les séances, bah, j'ai fait une petite formation vidéo pour toi. D'habitude, je la vends 500€, cette formation vidéo, mais là, elle est gratuite, inclue dans ton pack. Et là, du coup, voilà, vous avez un pack plus cher qui vous permet d'en vivre confortablement. Ou alors, si vous vendez une formation, que vous êtes formateur ou infopreneur, eh bien, vous pouvez rajouter un bonus, c'est-à-dire la formation, vous vendez 500 ou 1000€, vous envoyez un colis surprise à domicile. Ça peut être un livre rare, ça peut être une clé USB, un mug, bah, quelque chose qui fait plaisir. Moi, j'envoyais avec une formation à 2000€, j'envoyais une boîte de chocolat Jeff de Bruges en colissimo, c'est pour que ça arrive très rapidement, avec une lettre qui remerciait mes clients, qui les motivait à passer à l'action et qui les encourageait en leur faisant voir tous les résultats que les autres clients avaient obtenus. Et du coup, ils étaient ravis. Ils recevaient déjà la boîte de chocolat, la lettre personnelle écrite et ça donne un plus supplémentaire. Donc, et vous avez la solution de tester les prix de vos produits, c'est-à-dire que vous vendez un pack de plusieurs séances si vous êtes thérapeute, consultant ou coach, ou que vous vendez une formation si vous êtes indépendant, formateur, infopreneur, eh bien vous, la même offre avec une petite différence, un bonus supplémentaire ou un bonus que vous enlevez, vous testez trois produits différents, donc trois offres différentes, et vous allez voir souvent par exemple un produit que je vendais 100€ par mois, j'ai pu le monter à 2000€ par an et 3000€ par an, et il se vend extrêmement bien. Donc vous voyez, c'est passé de 100€ par mois à 3000€ par an, donc 100€ par mois ça fait 1200€ par an à 3000€ par an, donc trois fois plus cher. Les clients sont ravis, ils sont satisfaits et ça cartonne. Donc faites la même chose dans votre activité, c'est ce qui vous permettra avec la méthode RCP de réussir votre conversion pro, et c'est toujours d'aller de l'avant, de faire des tests. En fait, un entrepreneur, une personne qui réussit avec son activité du premier coup, ça n'existe pas, parce qu'il y a eu des tonnes d'échecs, cette personne a rencontré, mais elle ne vous les dit pas. Moi, je vous le dis, j'ai rencontré des tonnes et des tonnes d'échecs, ça a été la galère pendant des années jusqu'à temps que je réussisse à concevoir cette méthode RCP qui me permet d'attirer les clients automatiquement dans mon business. Du coup, après, moi, je peux partager à travers ces vidéos avec vous tout ce dont vous avez besoin gratuitement pour réussir à votre tour. Donc, si cette vidéo vous a aidé à faire des marges, des profits supplémentaires, et que ça vous a aidé à aller de l'avant, je vous invite à mettre un like, un j'aime et à la partager avec vos amis, avec vos proches. Je vous retrouve moi dans la prochaine vidéo. Je fais toute une série de vidéos pour vous permettre vous aussi de réussir votre conversion pro. Donc c'est pour les coachs, les indépendants, les formateurs, les consultants, les infopreneurs, et ainsi mettre votre famille à l'abri des soucis financiers grâce à ces nouveaux métiers d'internet, gagner de 2000 à 5000€ par mois. Et ensuite, ça c'est que le début. Après, vous pourrez aller beaucoup plus loin et gagner plus de 80 000€ par an de chiffre d'affaires. Donc vous allez voir, c'est génial. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passez bien à l'action, continuez à aller de l'avant chaque jour. En fait, un voyage de 1000 km, eh bien, il se fait comment? En faisant tout simplement un seul kilomètre par jour. Donc, faites un seul kilomètre par jour et avant même de vous en rendre compte, vous aurez atteint les 1000 km. Vous aurez réussi à attirer des clients automatiquement pour mettre votre famille à l'abri des soucis financiers. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre confiance. Merci pour le like. Merci pour le partage. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de cette série consacrée à la réussite de votre reconversion pro et à attirer les clients automatiquement dans votre activité. À très bientôt. Salut.